Mais qu'est-ce que je fais au milieu de l'autoroute, moi? Hey, bonjour à toutes et à tous, les amis, ici c'est Antoine. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui sur City Car Driving, pour vous tester, du moins pour vous présenter, une BMW X6. Alors, cette voiture, c'est vraiment une bombe. Et quand je vous dis une bombe, c'est vraiment qu'à l'accroche. La preuve, vous allez le voir maintenant. En première vitesse, on est à 70 km/h. C'est quand même un truc de fifou et surtout n'hésitez pas à me proposer des voitures que je pourrais tester dans les commentaires. Voilà, parce que franchement, celle-ci, elle est juste géniale. Par contre, franchement, si vous savez pas conduire comme moi, évitez, parce que franchement, elle a une puissance, mais un truc de malade. Voilà, en tout cas moi les amis, comme je vous disais tout à l'heure, j'espère que vous allez bien. On essaye de faire un petit 200 km/h. On tente. Allez, même si on est en contresens, oui, c'est fait. Voilà. Donc en tout cas, moi, ouais, j'espère que vous allez bien et que vous êtes content de retrouver du City Car Driving sur la chaîne. D'accord, ça part en cacahuète. Oh là 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 là. Cette voiture, c'est une bombe, mais assurée, les gars. Donc je peux vous dire que des fois, je vais perdre peut-être mes mots, c'est tellement elle me choque, quoi. Voilà, et j'ai oublié de configurer les clignotants, mais bon, c'est pas grave, hein, voilà, parce que c'est une nouvelle partie, parce que, voilà, vous savez sans doute que l'on peut se créer des parties dans City Car Driving, donc, voilà, allez, on passe la seconde vitesse. Donc, vous devez sans doute remarquer que j'ai un nouveau casque micro, voilà, parce que, franchement, le micro de mon PC de base, bah, disons qu'il était pas très bon, surtout qu'à chaque fois, bah, vous entendez. Ah non, quoique je vous ai même pas fait de vidéo sur un jeu de simu avec un volant, quoi. J'allais dire, vous entendiez mon volant dans les dernières vidéos en simulation sur un jeu de simulation de bagnole, mais non. Ou de camion ou autre comme le TS2, mais non. J'en ai même pas posté. Antoine Cerf-Volant. La famille Ranger Truck, ils savent pourquoi je l'appelle comme ça. Ils comprendront pourquoi je m'appelle Cerf-Volant. Pourquoi je me surnomme. Ils vous le diront sûrement dans les commentaires. Ou quoi que. Moi, je vais vous dire, même si vous vous en foutez, c'est pas grave. Tant qu'on a quelque chose à dire, tant mieux. En tout cas, cette voiture, elle accroche. Tout simplement parce que des fois, je suis tête en l'air. Mais quand je vous dis tête en l'air, c'est un truc de malade. Voilà. D'ailleurs, cette voiture, c'est aussi un truc de malade. On passe la quatrième, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui aimeraient savoir, c'est quoi mon volant? Parce que oui, je joue au volant. D'accord, alors là, comment vous dire? Ma conduite pue la merde. Et tellement qu'elle pue la merde, je veux beaucoup de pouces bleus, d'accord? Le mec, tellement que je conduis comme une merde, je veux beaucoup de pouces bleus. C'est pas un peu abusé ça? Alors certains vont me dire, oh mais pourquoi il n'y a pas de trafic? Tout simplement parce que je l'ai retiré, parce qu'avec cette voiture, rouler avec le trafic, c'est vraiment pas possible. Et on entre en ville, par contre, il y a des piétons. Voilà, donc quand même, on a un jeu bien vivant, même si on n'a pas de trafic. Mais là, c'est volontaire, c'est moi qui a voulu enlever le trafic en le mettant à 0%, parce que franchement, conduire avec cette bagnole, avec le trafic, c'est galère. Franchement, je vous le dis honnêtement, c'est vraiment galère. Voilà, donc bon, hein, voilà. Alors, j'essaierai d'améliorer ma conduite, mais j'ai envie de vous dire, ne conduire une voiture comme celle-ci, quand elle monte vers les 300 km/h, pour moi, c'est quasi impossible. Excusez-moi si vous avez entendu le petit coup que j'ai donné dans le casque. Voilà. En tout cas, j'espère que la qualité vocale est meilleure maintenant. Voilà. Feu rouge quand même, on va conduire. Parfait. Même pas arrêté au feu rouge. Si de justesse. Même pas. Hein, même pas. Même pas sur la ligne blanche. Mon trace. Hein, voilà. Je roule pas RP, je sais. Mais bon. On fait avec. Voilà. En tout cas, j'espère aussi que la qualité vidéo sera bonne parce qu'en ce moment, j'arrive à faire du 480p. Bon, je suis d'accord que pour ceux qui voudraient de la 720p, ça serait génial. Voilà. Et là, je me suis bien arrêté. On va voir ça. Le mec, il veut toujours vérifier s'il s'est bien arrêté. Oui. Nickel. Le feu est vert d'ailleurs. Oh, je sais pas. Fait. Bon, et puis tu sais quoi? Merde, hein, on avance. Voilà. On n'a pas eu d'amende. Enfin, je ne sais même pas s'il y a des amendes dans
Si tu fermes la gueule. Ah, tiens, une pompe à essence. On va aller voir. C'est peut-être une auto-sondeuse. N'importe quoi. Et en plus, je rigole comme un porc. Petite blague de merde. Il y a peut-être une auto-sondeuse à la pompe à essence. N'importe quoi. Franchement, Antoine, comme moi, je vous dis, si tous ceux qui s'appellent Antoine, ne soyez pas comme moi, honnêtement. Bref. Petit aparté de merde entre nous, voilà. En tout cas, pour ceux qui ont repris les cours aujourd'hui, donc jeudi 1er septembre, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. J'espère que vous n'avez pas un emploi du temps rechargé. Alors moi, je l'ai vu, mon emploi du temps. Voilà, parce que, et franchement, oui, parce que si vous voulez savoir, alors pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont au collège, comme moi, parce que cette année, je rentre en troisième et après le lycée, voilà, même si je sais qu'on dira pas tellement que ma maturité est nulle, je rentre au lycée bah, l'an prochain, puisque là, je rentre en troisième, je vais pas vous apprendre la vie non plus, hein, voilà. Donc, ouais, je rentre en troisième et j'ai vu mon emploi du temps, parce que pour ceux qui connaissent Pronote, j'ai rentré mes anciens codes de l'an dernier parce que j'ai vu sur Facebook un ami qui avait dit, ouais, vous pouvez rentrer vos anciens codes Pronote pour voir l'emploi du temps et en troisième quoi, parce que nous, ça va de A à F, voilà, on a sans doute grillé le feu rouge, mais j'ai pas fait gaffe, alors ta gueule. Non, je déconne, évidemment. Je te respecte. Oui, bon, je te tutoie, tu vas pas chipoter. Voilà. Cette vidéo part vraiment en cacahuète. On parle de tout et de rien. C'est un truc de malade. Voilà. Et puisque je parle de tout. D'accord. Alors, l'alcool, vous savez que ça consommait avec modération. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? What? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. What? Ouais, on va. Oula, c'est chelou là ce qu'il y a eu. Très très chelou. Franchement, je n'ai jamais eu ça. Fallait que ça tombe en record. What? C'est quoi ce bordel? Ouh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, excusez-moi les amis, ça m'a jamais fait ça. Ouais, mais je roule du mauvais sens, mais attends, je suis planté là. Bon bah excusez-moi, alors du coup, je reprends ce que j'avais à dire. Alors excusez-moi, évidemment, ça fallait que ça arrive en record, mais vous savez, c'est une vidéo faite au pif, comme ça, avec des sujets pris au pif, voilà, c'est fait exprès, mais au moins, il y a de l'ambiance, ou pas. Donc, je vous disais, donc il y a un ami qui a dit sur Facebook, ouais, vous pouvez rentrer vos codes, vos anciens codes Pronote, du coup, donc moi j'ai rentré mes codes Pronote de la quatrième, donc de l'an dernier, et j'ai vu mon emploi du temps, et disons qu'il pue la merde. Je finis tous les jours à 17h, sauf le vendredi à 16h30, et le mardi je commence à 11h. Alors peut-être que vous vous en foutez, peut-être, mais au moins c'est pour vous donner une idée que les vidéos la semaine, il n'y en aura pas tellement. Voilà, parce que j'ai quand même le devoir, les devoirs. Voilà, parce que je suis en troisième et quand même, hein, il y en a pas mal à faire en troisième entre nous. Voilà, je parlais un peu comme une fille, hein. Voilà, franchement, cette vidéo, c'est complètement freestyle total. Voilà. Donc, moi, ouais, j'ai un emploi du temps assez chargé. Donc, vous aurez sûrement des vidéos le mercredi après-midi, ça c'est sûr. Je pense. Alors je dis sûr, mais après je les fais pas. Voilà. Voilà pourquoi faut pas s'appeler Antoine. Parce que tu dis toujours et t'appliques pas. Voilà. C'est qu'on va dire. Voilà. Après, je dis pas que tous les Antoines sont comme ça. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Et c'est bon, j'ai plus de bug. Voilà, bon. Voilà. C'est bon, tu veux bien repartir, ma belle? Allez, vas-y, go. Voilà, c'est bon, il n'y a plus de bug. C'est bon. Alors excusez-moi d'avance pour le bug. Voilà. C'était vraiment très spécial. Je sais pas pourquoi ma BM a se planté dans le sol. C'était très chelou, mais alors très 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 chelou. Je roule comme un porc, mais ce n'est pas chelou, c'est juste l'habitude. Voilà. Mais à chaque fois que je me fail, en fait, ça fait ça. Alors, est-ce que c'est que je m'appelle Antoine et que je conduis comme un porc que ça me fait ça? Voilà. Je parle pas français, mais c'est pas grave. Voilà. Ou soit c'est juste un bug de la voiture. Je pense que c'est un bug de la voiture parce que avec la prochaine, l'alcool au volant, les gars, je vous dis, c'est pas bon. Alors, n'en consommez jamais. Voilà, ne faites pas comme moi. Voilà. Alors le klaxon. Alors, je sais pas si vous allez entendre le son du jeu parce que tout à l'heure, j'essayais de faire un record avec du son et on n'entendait pas.
Et du coup, bah, j'ai ragé. Donc, si vous ne m'entendez pas, je suis désolé. En tout cas, sachez que si vous ne m'entendez pas le son, j'en suis encore une fois désolé. Mais c'est vraiment un bon son, sauf pour le klaxon qui est pas vraiment super super. Alors, on passe la troisième parce qu'on a autre chose à foutre. Et puis moi, je conduis comme un porc. Voilà, on a intérêt à mieux conduire pour les prochaines vidéos parce que sinon, on va se désabonner de ma chaîne et ça va pas me plaire. Enfin, non. Je suis dégoûté, mais bon, faut comprendre les abonnés aussi entre nous. Hein. Voilà. En tout cas, là, on a une pointe à 200 km/h. Allez, allez. Voilà, c'est bon, on est à 200. Ne roulez pas trop vite avec parce que je peux vous dire que ça peut vraiment partir en couille. Honnêtement. Wow, là, 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 là. Oh. Ah oui, mais là, c'est Valentine. Oui, je sais, vous voulez encore du soleil? D'accord, je vais te jeter. Voilà. Cette vidéo, franchement, c'est une vidéo que là que j'aime faire. Alors franchement, le gars, il a même pas uploadé, il a dit j'ai aimé faire cette vidéo. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai mis un peu d'ambiance en faisant le comment vocal et tout. Alors c'est ce que j'ai mis ça la dernière fois dans la description. Mais j'en suis sûr que mes abonnés s'en foutaient entre nous. Voilà. Hein. La vitesse 5. Ah bah, allez. Allez, on va essayer de faire une vitesse de pointe et on va se laisser là. Donc, pour revenir sur mon emploi du temps, alors demain, pour moi, c'est la rentrée à 9h. Donc voilà, après, c'est le week-end. Alors moi, je trouve un peu ça idiot qu'ils nous font reprendre le vendredi alors qu'après, c'est le week-end. Où est la logique? Je ne sais pas trop. Voilà, allez, on passe la première. Et puis, let's go! Voilà, cette vidéo, c'est un truc de malade, je ne sais combien de fois. Je l'ai répété, mais bon. Voilà. Et voilà. Oh là là. Mais je conduis vraiment comme une merde, hein. Mais bon, avec une voiture comme ça, tellement magnifique. Ouh là là là. J'ai eu peur pour la vie des piétons, hein. Franchement, bon. Vous savez quoi, les amis? Je crois qu'on va s'arrêter là. On va se garer sur le côté de la route. Voilà. Donc, je vous la montre d'un peu de l'extérieur. Voilà. Et on va se garer, dans une place de parking. Tiens, ici, voilà. Comme ça, ben, ça a l'air d'être un marchand de glace ou de crêpes ou autre. Et ben, je vais aller m'en chercher une. Et puis, écoutez, bah, voilà, les amis. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que moi, franchement, je me suis éclaté. Alors bon, on n'aura pas fait de test de pointe, mais je pense qu'elle frôle les 300 km/h ou plus. En tout cas, si vous voulez que je teste d'autres voitures que vous souhaitez, après tout, dites-le-moi en commentaire, je verrai. Oui ou non, si je la télécharge, mais normalement, il n'y a pas de raison, puisque je vous demande si vous souhaitez que je teste des véhicules que vous souhaiteriez que je teste, tout simplement. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur City Car Driving. On a testé la BMW X6, il me semble que c'est ça son nom. Si c'est pas ça, je rectifierai. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. À lâcher un petit like aussi, c'est gratuit en plus. Alors faites-le. Mon Dieu, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, de partager la vidéo, ni de liker, de commenter. Moi, je dis ça comme ça, comme tout youtubeur, mais après, vous n'êtes pas obligé. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Allez, merci à tous et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner ou à liker. Deuxième fois, on va arrêter de spammer. Et moi, je vous dis à la prochaine avec peut-être une autre bombe. Et la prochaine fois, je vous le dis directement, ça sera peut-être du TS2. Et sur Cizikar Driving, on testera une Audi Q7 et 7. Là aussi, c'est une bombe. Mais j'ai voulu vous la montrer, celle-ci, parce que franchement, elle déchire. Allez, merci à tous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde! Danger public, c'est moi.